laisserai jamais personne s'en prendre à elle. Ok, d'accord. J'attends. T'attends, moi aussi. Allez. J'attends. Mais oui, je sais. Par contre, il faut que t'arrêtes de discuter, là. Je te parle pas, en fait, depuis tout à l'heure. Bah alors ? Tu parles tout seul, là. Allez, probablement la dernière heure, quelle heure est-il ? Ah oui. Ce serait pas mal que je m'arrête un jour, hein. Mais quand tu commences Skyrim, t'as du mal à t'arrêter. Bon, faute de guicheuse, on va faire la quête principale. Les gens d'ici se tuent à la tâche. C'est elle ? On s'autorise aucun moment de détente. Quel dommage. Ça ne durera pas toujours, cela dit. C'est elle ? Elle est là. Comment il est au niveau de moi? Tu m'as guiché, maintenant tu veux que je m'en aille? Ah, c'est parce que j'étais comme ça. Ces gens se comportent comme du bétail. Ils ne savent que travailler, manger et dormir. Ah, elle va. Eh oui, elle va bien. Récolter des plantes, cueillir des champignons, préparer des potions. Tout ça m'ennuie à la longue. Cette ville aurait bien besoin d'un peu d'animation. Tu veux faire de quel genre d'animation? Voilà, hop là, j'ai vu. Bonjour. Hé hé, la petite souris. Enfin, du coup, c'est plus la petite souris, c'est... ces petits poulets. Et oui, je fais des lives à toute heure avec ce jeu. C'est elle, la guicheuse, qui voulait que je la suive. Je peux vous aider? Je sais pas si elle est là, la marmotte. La marmotte tueuse. Je sais pas ce qu'elle fait aussi, elle fait des trucs bizarres. Elle. Pendant 20 minutes, on l'a cherchée. Marmotte tueuse, si t'es là, manifeste-toi. Je ne vois pas qui est là sur mon live, donc c'est pour ça. Peut-être je parle dans le vide. Mais si tu es là... Eh ben c'est elle, la guicheuse. Oui. Oui, oui, c'est toi. C'est de toi que je parle. Oui. Alors, ça va? Oui, je... Le mec relou. Faire quelque chose pour vous? Ah, elle veut pas. Bonjour. Attends. Oui, c'est toi. Puis-je... faire quelque chose pour vous? Ah, je sais pas si elle a la marmotte tueuse. Puis-je faire quelque chose pour vous? J'ai pas envie de commencer la quête sans que qu'il soit là, la marmotte tueuse. Bonjour. Ah, la marmotte! Ben voilà, c'est elle, la guicheuse. Bon, elle bug à fond là, mais. Allez, on va voir si elle... Je peux vous aider? Normalement, elle doit avoir un truc à me dire. Puis-je faire quelque chose pour vous? C'est pas trop ça qu'elle me disait tout à l'heure, hein. Enfin, la dernière fois. Tu vois, je te disais, elle avait la robe C'était fendue. C'était un plaisir. C'était... Pousse-toi. Une nouvelle... Là. Je me rappelle de sa robe fendue et de son épée. Bon, allez, vas-y, fais-moi voir. Qu'est-ce que tu Puis-je veux? Puis-je faire quelque chose pour vous? Des tas de trucs. Mais à cette heure-là... Il y a des enfants qui regardent. Ah oui, comme c'est touchant. J'ai de la chance d'avoir un compagnon aussi dévoué. Très bien. Qu'est-ce qu'elle veut en fait? C'est n'importe quoi. Pourquoi elle me file plus la quête? Il paraît que Rogan a incendié sa maison pour... Ça se trouve, il s'est passé un truc. Oui, c'est sûr, c'est un piège, c'est sûr. Mais c'était pas ça qu'elle m'a dit. Elle me disait de venir quelque part. Et là, je sais pas ce qu'elle fait. Ah oui, comme c'est touchant. J'ai de la chance d'avoir un compagnon aussi dévoué. Alors, j'ai pas suivi. Hein. La première fois que je l'ai vue, elle voulait que je la rejoigne quelque part. Et j'ai dit non, enfin j'ai pas dit non, enfin si j'ai dit non, j'ai dit j'ai autre chose à foutre.
Et là, je sais pas, je comprends pas. Il paraît que Orgvar a incendié sa maison pour vous. Ah oui, comme c'est touchant. J'ai de la chance d'avoir un compagnon aussi dévoué. Et donc, y a pas une quête avec ça? Ce qui est Orgvar. Ne redoutez pas les ténèbres, il n'y a rien à craindre. Le vieux Lurbuk va vous remonter le moral. Il suffit de l'écouter. Ah. Du coup, on fait quoi? On fait la quête ou... Les gens d'ici se tuent à la tâche. Je comprends pas ce qu'elle veut, elle. C'est quelle heure? On s'autorise au... C'est midi. Moment de détente. Quel dommage. Ça ne durera pas toujours, cela dit. Bah, vu que j'ai payé, c'est pas cette chambre-là, si. J'ai qu'à dormir un peu, on s'en fout. On va faire après-midi et puis soir. Donc là, c'est 3h de l'après-midi. Non, elle s'en fout, hein, toujours pareil. Ah oui, comme c'est touchant. J'ai de la chance d'avoir un compagnon aussi dévoué. Ces gens se comportent comme du bétail. Ils ne savent que travailler, manger et dormir. Je sais pas ce qu'elles veulent. Récolter des plantes, cueillir des champignons, préparer des potions. Rogard. Tout ça m'ennuie à la longue. Si je trouve un Rogard, je vais voir qui c'est. Mation. Wow, il a la dalle de chez la dalle, le gars. Du saumon. Pas assez, hein. Voilà. Et elle sera partie. Bon, allez, elle me fatigue. Carte de pêche. Super. Trop m'a fait peur l'autre, Screamer. J'ai pas compris ce qu'elle veut la meuf. Hein. Bon, tant pis. On va pas chercher 15 ans. C'est quoi? C'est la nuit si tout le monde s'en va? 8 heures. C'est 8 heures quoi? 8 heures du mat? Ouais, bon. Mes parents sont morts il y a longtemps. Oui, mais c'est... pas Lyon qui s'occupe de moi. D'accord. Vous avez pas vu ma mère? Mais oh, on n'est pas à la garderie, là. Barrez-vous, les mioches. Qu'est-ce qu'ils me veulent, ceux-là? Toi, t'as fini de pêcher aussi? Briutus. Mais je t'ai déjà vu, toi. Ça vous écoute. Mais oui, oui, c'est ça, le délire. Mais elle me disait pas le truc de... Enfin, je lui disais pas, je sais plus qui a cramé sa maison pour elle. C'était pas ça. Après, il me semblait qu'il faisait jour quand elle m'a parlé. Bon. Écoute, on va faire la quête... On va faire la quête de machin, là. Des vieux tordus. Des vieux tout mous. Un peu d'action. Alors attends, parce que là, il y en a deux des quêtes. C'est laquelle? Retrouver. Ouais, c'est celle-là. Donc c'est là-bas. Ouais, mais je l'ai grillé à 100 000 que c'était une aguicheuse, ça. Elle voulait me faire une embuscade. Qu'est-ce que c'est, ça? Repère.
C'était pas prévu, mais est-ce qu'on se ferait pas ça au passage? Il y a du sang. Moi, j'aime bien. Pourquoi pas, hein? C'est pas ça que je veux faire. Ça suit. Ouais. Objet dans le livre, il fallait peut-être que je fasse ça. Scission d'âme. Du coup, je vais voir. Sur le papier, c'est bien. Flamme. Non, non, ça, j'ai jamais compris comment ça marchait. La flèche de télékinésie. Moindre barrière, non. Scission d'âme. On va voir ce que ça dit. C'est pas censé en faire deux normalement. Ah voilà. Mais même les ombres machin me gênent, c'est incroyable. Allez, attaquez là. Attaquez là. Putain, mais c'est pété en vrai. Hein. Il se passe rien. C'est une blague. Eh merde. C'est pas trop mal. On va voir ce que ça dit sur des vrais mobs, parce que ça c'est pas des vrais mobs. Ça c'est des trucs de base. Mais elle aime trop tirer à l'arc. Elle est perdue. Qu'est-ce qu'elle fait? Oh, t'as picolé toi à la taverne. Hop là, il y a du monde. Et hop là! Tiens. Esclave vampirique? Ah. Ah, on va peut-être tomber sur un truc intéressant là. C'est quoi ça? Ah ouais. Ce bordel là, je suis où? Alors, ça se bat ou pas? C'est un peu de la merde. C'est un peu de la de mer. Après, il doit y avoir des niveaux, c'est comme tout. Hein.
Et la meuf, elle est où? Perdue, mais elle sert à rien, mais qu'est-ce que tu fous? Ça, c'est bien dommage là, j'ai pas un truc qui vaut le coup. Il y avait un sort de fou furieux là, je l'ai jamais utilisé. Je sais plus ce que c'est. C'est pas celui-là, hein. Réanime. Non, ça c'est un niveau faible. Conjuration de fantôme, je crois que c'est ça. Consume toute la magie disponible et invoque un fantôme immortel pendant 60 secondes. Les stats du fantôme sont augmentés de x2 la quantité de magie consumée. À tester. Pas être pire. Et vu qu'il est mortel, ça peut pas être pire. Oh, l'autre lui a mis des coups de boule. C'est peut-être pas mal en fait, vu que je suis plein de dés de magie. C'est peut-être le seul truc intéressant. Peut-être qu'il est pas mal ce sort. C'est lui que je vais mettre dans mes favoris en fait. Il va falloir que je réorganise tout ça. Donc celui-là ça dégage, c'est pas dingo. Bénédiction de liste, pourquoi pas. Conjuration. Hop, un squelette. Bof. Augmente la valeur d'armure du lanceur. Je m'en sers jamais. Flamme, non, mais ça peut servir. Froid. Moindre barrière. J'ai la moyenne. Scission d'âme. Pas dingo. Soin. J'utilise le soin rapide. Toucher apaisant, pourquoi pas. Équilibre, oui. Étincelle, oui. Du coup, je vais faire... Je l'ai pas. Je vais faire conjuration de fantôme. Ça c'est bon ça. Ça fait quoi si je mets les deux? Ça fait un fantôme de ouf. Je pense pas. Bon. Pendant que ça se fait, on prend les sous. Non, on ne perd pas, hein. Ils sont riches ici, oh. Ah, mais c'est lui qui parle. Vas-y, on prend ça. Bœuf cru, il y a moyen de faire un bon truc avec ça. Ok. Maître vampire. Poussière.
Ah ouais, de l'invisibilité, ça peut servir ça. Armure de vampire, botte de vampire. Vampire. Qu'est-ce que je fous chez les vampires? Bonne question. Bon. Alors là, il y a plein de... On peut aller par là. Ah, mais il y a un truc là? Non, là, c'est bord de ciel. Entrer où moi, je sais même plus. Je suis rentré par le fond. On va aller là-bas. Peut-être il est pas mal en fait ce truc là. Il est immortel, il tank, il sert plus que la meuf, qui est je sais pas où d'ailleurs. Complètement buggé cette vieille meuf. Et franchement, je sais pas si ça augmente la puissance quand on fait les deux d'un coup. Parce que je peux faire un ou l'autre, et si je fais les deux. Non. Plutôt chercher des trucs de fou. Trop lourd. Botte d'acier. Ouais, ça vaut cher ça. Lui me sert plus que la meuf, hein. Je pense que lui je vais le garder. Mais du tout le sort en arc, toi. Encore là. D'accord. De quoi s'agit-il? Virement. Non, c'est pas ça que je voulais. Vous avez encore besoin de moi? Je suis sur vos talons. Que puis-je faire pour vous, Tan? Vire-moi cet arc de merde. Tu l'as même pas en vrai. Pourquoi tu te sers de ça? Faut que tu te sers de ça plutôt. Passez devant, je vous suis. Passez devant, bien entendu. Ah, d'accord. Parce que sinon, je peux faire ça. Qu'est-ce que je fous là? C'est pas là? Je repars. Je reviens sur mes pas. Je sais plus. Maintenant je vais aller à gauche, non? Bah non. Quoi? Je vais où là? J'ai tout fait? Non, il reste là-bas.
Ouais, c'est compréhensible, il est tard. Il faudrait que je dorme. Mais je pense que je vais finir cette heure-là et après j'irai au lit aussi. Bah écoute, peut-être à une prochaine fois. Et... Fais des beaux rêves! Ce fantôme immortel, oui. Il est bon. Là, ça vaut le coup d'être full magie. Comme ça, la magie revient vite. Niveau supplémentaire disponible. Nickel. Il y a un truc pour dormir juste en bas. Cristal de Méridia. Aucune idée. Flèche de vol d'âme. Se manifeste sur un coup de grâce dans une gemme spirituelle remplie avec l'âme. Flèche de feu. Foudre. Glace. Gantelet elfique. Le crochetage accru. Putain, c'est lourd. J'ai envie de le prendre pour le mettre sur mon mannequin. Puisque c'est un truc elfique. Pierre de Valarin parfaite. Ça, ça vaut la peau du cul, ça. Ça aussi, c'est bon. Une nouvelle main touche le cristal. Quoi ? Écoute, entends-moi et obéis-moi. Qu'est-ce que tu dis ? D'immondes ténèbres ont envahi mon temple. Tu dois dissiper ces ténèbres. Rapporte mon cristal, mon primortis. Et je ferai de toi l'instrument de ma lumière purificatrice. Ouais. Commencez la lumière de l'aube. Portez le cristal de Méridia au mont Primotis. Ah ouais, j'étais pas venu pour ça, mais pourquoi pas. Putain, mais j'ai reperdu la meuf, c'est un truc de fou. Elle est où celle-là? C'est une dinguerie, jamais elle me suit. Hein. Elle sert à rien. Putain, mais elle était pas si inutile dans mes souvenirs. Qu'est-ce que tu fais? Tu viens d'où? Alors, je suis parti sur un autre truc, là, maintenant. Je suis parti sur un autre truc. Bah, vas-y, on y va. J'amène le cristal, je sais pas où. Ah, au mont Bidule. Ça va être encore perdu dans les montagnes. Allons-y gaiement au mont Bidule. Alors. Le mont Bidule. Le mont Bidule, il est pas trop loin, ça va. Ah non, ça c'est la quête. Ça c'est la quête des... Oh putain. Oh les bâtards. Oh ben non, c'est à Blancherive. Pas à Blancherive, à Vendôme. Bon, mais je vais faire la quête des blanches des... La quête des vieux, je vais faire, alors. C'est à côté. La quête des grises barbes.
La quête des vieux mollusques, mots du bulbe. J'y suis là où je vais à côté. Eh merde. C'est pas là. Faudrait que je sauvegarde un petit peu. Allez, c'est ça la quête. Oh putain de merde. Ah ben voilà, pour une fois, elle sert à quelque chose la meuf. Je peux dormir une petite heure. On est nickel, magie à fond du coup. Ah oui, je kiffe ce, cette espèce de fantôme là. Parce que plus j'ai de magie, plus il va être puissant. Là, ça vaut le coup de faire la magie à fond. Ok, on est bon là-dessus. J'ai 2 points. C'est de la magie de conjuration. Divise par 2 les points de machin. Les armes liées, j'en veux pas. Lancer un double permet d'obtenir des effets encore plus durables. Permet d'invoquer des astronautes que des morts vivants 2 fois plus loin. Pff, c'est de la merde. Sont sérieux. On est juste par 2 le coup de blablabla. On est juste par 2 le coup de spécialiste. Les armes liées permettent de bannir les créatures. Pff, c'est de la merde. Permet aucun accord, c'est de la merde. Double la durée des astronautes conjurés. Bon, c'est un peu de la merde. Hein. Éloquence, je peux faire un truc là. Demande 40, j'en ai 24, je peux rien faire. Oh non, j'ai pas besoin de toucher à rien. Est-ce que ça vaut le coup que je m'acharne sur la magie de destruction? Frenchman. Je suis pas sûr. Peut-être pour ça là, désintégration. Peut-être. Mais vraiment... Celui-là, là, en cas de double machin... Pas fou. Qu'est-ce qu'il a, lui? Allez. On prend ça. Putain, j'ai bientôt plus de place. Bandito.
Allez, c'est là, la quête des grises barbes. Allez, débrouille-toi avec ça. Franchement, c'est mon sort préféré celui-là. En vrai, il est bon. Regarde comme il fait mal. Parce que j'ai de la magie de fou. Je suis bien comme ça. Qui c'est qui m'a tiré dessus? Poulet grillé, allez hop. Putain, il a la dalle. Mange mon gars, c'est ta faim. Ça fait pas tout, hein. Pomme au four, tomate. Qu'est-ce que c'est? On s'en fout. On dirait qu'il s'est soulagé aux toilettes. Celle de feu. Ouais, ça se vend bien. Genièvre. Pourquoi pas, livre de sort. Je vais pas déjà celui-là. Je le revendrai. Lui, il attaque, lui c'est un bon. Il est trop fort. Il fait tout, je fais rien. Là, on avance. Là, je dis oui. Petite perle. Cul nu, le mec. Oh, regarde-moi ça, mais je le kiffe. Non, il est trop fort. Et je peux l'avoir en non-stop. Quasiment. Ouais, j'ai même plus besoin de toutes ces potions et tout. Allez. C'est quoi ça? On dirait les trucs d'Oblivion. Non, il est trop fort. Le fantôme, il est trop puissant. Il déglingue même les machins forcenés, là. Tu peux pas tester.
Putain, mais j'ai toujours un petit creux. Il y a un moment, faut arrêter d'avoir des petits creux. Quelle puissance. Wow. Je kiffe, je kiffe. Je pourrais presque en avoir un deuxième comme ça. Mais le squelette, il est tout claqué. Faire un super combo là, avoir un truc qui marche bien avec ce fantôme, je sais pas quoi, mais c'est un truc à voir. Moi j'ai mon compteur de viewers qui déconne. Parfois il marque le nombre de viewers, parfois pas, et parfois c'est un peu faux. Je vois qu'il y en a deux là apparemment. Je sais pas si c'est vrai, si c'est faux. J'aimerais bien savoir quels sont les fous furieux qui regardent du Skyrim à 3h du mat. Je pense que j'aurais dû me foutre à fond conjuration, c'est trop bien ça. Putain, c'est le style. J'ai même pas besoin d'attaquer. J'aurais dû me mettre guérison à fond. En fait, c'est ça, hein. Soin rapide. Non, soin rapide là. Et conjuration du fantôme immortel. Qu'est-ce que j'ai foutu ? Il fait le taf, je fais rien moi. Bon, elle, je sais pas ce qu'elle fait elle, mais bon. On va dire qu'elle est plutôt sur les arrières. Lui fait le taf, lui, il demande rien à personne, il y va. Il n'y a pas à chier, je surkiffe ce fantôme. Dire que j'ai passé à côté, je croyais que c'était de la merde. Alors comme il est trop chaud, il attend pas lui. Hein. Il est immortel, tu peux faire ce que tu veux. C'est décidé. C'est lui pour la vie.
J'ai même pas besoin de m'occuper de rien. Il s'occupe de tout, je s'occupe de rien. C'était quoi là-bas? C'était un raccourci? Ah merde. Ah, j'ai loupé quelque chose. Eh mais... Attends, il y a 36 000... Mais non, mais j'en viens de là. Non. Non. Je n'ai jamais rien vu de tel. Il va faire le taf quand même. Non, il est génial, il est génial. L'autre, je sais pas où elle est, mais lui, je sais où il est. Ah merde, là, je peux pas y arriver. Là. Je sens. Ça va, les deux font la paire, hein. Je sais pas pourquoi elle est à fond sur l'arc. Je lui fais des fléchettes de fou parce que... Oh le gars, il s'est fait découper comme une vieille... Je dirais pas la suite. Mais vraiment... pitoyable. Il est trop fort mon squelette. Et ça c'est parce que j'ai tout mis en magie depuis que j'ai commencé et que lui il est basé sur la magie qui me reste. Enfin sur la magie que j'ai et que j'utilise. Ça sert à quoi en fait là? Pourquoi je suis là? Pour rien. Étrange. C'est définitivement mon sort préféré. Il one shot quoi. Il one shot. Tiens, viens voir, vu que je transporte trop de trucs et que tu veux absolument
jouer les archères. Je suis à votre service. L'armure elfique, tu t'emballes les steaks. On peut pas donner un ordre de priorité. J'ai fait quoi? De la merde, à tous les coups. J'ai fait nimp, mais c'est pas grave. En arme, je te donne ça. Dégâts 9, c'est pas ouf. Non, je lui donne. Dégâts 9. Flèche. Flèche. Dégâts 8. Dégâts 8 avec du feu. C'est pas dingue en fait, je crois que c'était une tuerie, mais non. Dégâts 7. Ah ouais, c'est nul. Dégâts 10, dégâts 12. Je te donne ça. Hein. Dégâts 10. Je te donne. Ça. Mais je te la reprendrai. Parce que je t'achèterai une petite masse ou un petit truc comme ça. Que tu puisses utiliser avec le bouclier. Dans les tenues. Ça, c'est la mienne. Masque. 19. Du coup, t'as quoi là? En arme, t'as ça. Dégâts 9. Ouais, en tenue. Ça, je comprends pas pourquoi tu peux pas l'utiliser. Bon. Passez devant, je vous suis. Ok. Ah, je suis encore trop lourd. Quoi? Encore là. Je suis à votre service. Qu'est-ce que j'ai fait, moi? Qu'est-ce que j'ai fait? Je te la file, celle-là. Mais même comme ça, je suis trop lourd. Non, mais ça, je le jette, ça. On peut pas le jeter, ça. Puis le bâton, ça aussi, je m'en sers jamais du bâton. Absorbe un point de magie. Que j'ai fait qui me pèse lourd là. Ça, ça pèse que dalle. Peut-être ça. Mais non, c'est à moi. Gantelet fic.
Je te les mets à toi. Mais non, ça pèse que 1. Putain, je vois pas. Cette hache là? Mais non. Non, non. File le loot. Je te file le masque. Ça, ça pèse pas. Je te file tout, hein. Robe et tout, là, tu te débrouilles. 8 kilos déjà. Mes robes d'archimage, je vais pas te le filer ça, moi. Épée d'acier, qu'est-ce que je fais avec ça, moi? C'est pourri, ça. Putain, elle a mis un truc tout naze. Oh, elle est dégueulasse. Pourquoi elle a mis ça? Alors, allons-y. Elle est moche avec son truc. Donc moi, j'ai ça, j'ai ça. J'ai la robe d'archimage. J'ai les gants comme ça, armure 10. Ça, ça a plus d'armure, ça. Les bottes. Bon, jusqu'à là, ça va. Dans les armes, j'ai un truc qui est nul, il faut que je le jette. C'est ça. On n'a pas besoin de ça. C'était l'épée de la meuf, ça. Voilà. On s'en fout de ça. Putain, mais pourquoi t'as mis ce masque dégueulasse? Berk. Putain, ça fait déjà une heure. Incroyable. Ça passe trop vite. Je peux pas, hein, je peux pas continuer une heure de plus. Hein. Ce sera abusé. Qu'est-ce que je voulais faire? J'ai plus. Je sais plus. Je sais plus. Qu'est-ce que c'est ça? Il va y avoir un ordre. J'ai compris, il faut utiliser le... Il faut utiliser le truc là, ouais. Mais je vais voir ce qu'il y a là-bas.
D'accord. C'était juste le truc pour revenir là. Ça sert à rien. Attends, t'énerve pas. Je vois ce que tu veux que je fasse. C'est juste qu'elle pourra pas passer, la meuf. Cri. Tu veux que je fasse impulsion? Hop, je remets mon cri. Tout ça ne me dit rien qui vaille. C'est pas grave. Qu'est-ce que c'est ça? Ouais, ça sent pas bon. Qu'est-ce que c'est que ce bordel? Zigouiller. Quoi, il y en a d'autres? Qu'est-ce qu'ils font? Elle venait par là au lieu de mourir là, bêtement. Viens là. Putain, deux de cuit. Allez, faut qu'il y ait un boss là. Un petit boss là, qu'on puisse finir. Note mystérieuse. Enfant de dragon, je dois vous parler, c'est très urgent. Louer la chambre mansardée de l'auberge du géant endormi de Rivebois. Je vous y retrouverai. Ça va. Bon, eh bien, écoute. C'est que ça, hein. Faut que je revende tout ce que je peux. Sérieux, c'est que ça. C'est stylé. Et un peu d'oseille ou comment là? Ouais, presque 2000. Oh là 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 là.
potions de soin, je les prends même plus. Ça, c'est du trésor, avec de la thune à côté. Armure en peau de destruction accrue. Pop, 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 pop. Je sais même pas ce que j'en fais de ça. Je prends parce que ça vaut cher, allez. Pas ouf, pas ouf. Ça, c'est ouf. Ça, c'est méga ouf. On est bon. Allez, on se barre. Tu me gênes, monsieur. Sauvegarder, j'espère qu'on sort de là, que je puisse enregistrer la partie. Enregistrer. Je suis fatigué moi aussi. Que je puisse quitter le live. Ça fait plus d'une heure. On va prendre tir à la bobinette. Et la porte s'ouvre. Oh. En plus il a faim le. Encore le trésor. On va pas s'en plaindre. Hein. Vide, vide. Il n'y aurait pas un petit bouquin spécial là. Prends pas. Flèche de vol d'âme, on prend flèche de feu, foudre, on prend tout. Attends, mais sans déconner, je suis pas sorti là? Si, c'est bon. Tréfonds, je peux aller dans les tréfonds? Ah ouais, donc en fait, je suis pas sorti. De là, non? C'est une blague, j'y étais là déjà. Eh oui, j'y étais. Il y a de la bagarre. Oui, allez. On va enregistrer, partir. Putain, je suis fou. Est-ce que je fais une heure de plus? J'ai trop envie. J'ai trop envie, vraiment. J'avais pas vu celui-là. On va se mettre là. Extrêmement froid. On va se mettre là, on va chauffer tranquille. On va se mettre là avec mon poteau là. On est bien avec mon poteau. Et on va enregistrer là. Sur ce, je vous dis bye bye. Et à la prochaine.